Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part les gars, ça va extrêmement bien. On est le 15 et 16 juin au MR Camp 2024 et ça donne ça. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag. Salut à tous, salut à tous ceux que j'ai pas vus encore. Merci d'être présents. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. On va être plus de 100 pilotes déjà aujourd'hui samedi, donc ça fait vraiment plaisir. Merci d'être là. Vous êtes inscrits à la tonnelle. Une fois que les inscriptions sont terminées, il y aura la grosse tombola qu'on organise avec, je précise, écoutez bien, un kit complet d'entretien module à gagner, une énorme tonnelle beer 4x3 de moto concept, 3 maillots de championnat de pilote du championnat du monde, Jorge Prado, Romain Feff, Tim Geiger. Un dernier maillot que j'ai reçu hier tout droit des US de Ken Roczen. Et la petite cerise sur le gâteau, je l'ai su hier à 20h par mon coach Quentin. Le dernier lot, c'est une semaine de stage de motocross en Espagne. Je pense qu'on peut applaudir, merci à Quentin, je sais pas où il est. Bon les gars, on fait une petite pause, on se retrouve au MR Camp. Je vais un peu vous présenter pour tous ceux qui n'étaient pas là ce que vous avez loupé les gars. Eh oui, en pas venant, vous avez loupé le MR Camp 2024. On est samedi après-midi, les pilotes en tout cas sont super satisfaits. On a sur la droite un truc que les pilotes adorent. On a Wolf KTM qui est venu en fin de compte faire essayer des motos, faire essayer les toutes nouvelles KTM. Donc il y a du 125, du 2,5, du 3,5. Bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Tous les pilotes, ils ont le droit gratuitement de venir essayer les motos. Bref, il n'y a pas de surplus. Tous les pilotes inscrits au MR Camp, ils essayent leurs motos. Donc ça, c'est vraiment top. Regarde, qu'est-ce qu'on peut leur montrer là? El Torero. Les gars, je me suis fait un kiff là. J'ai loué un taureau. On vient de le monter. Ce soir, on va se faire un concours. Celui-là qui tient le plus longtemps sur le taureau. À mon avis, de toute façon, je vous mettrai les images hein, après de la soirée avec ça en petit bouffon. Avant qu'il y ait mon frère, le DJ Size Event qui vienne. La boutique, forcément. Attends, il faut quand même qu'on leur montre. La tonnelle, elle est incroyable. On a fait en plus une nouvelle collection. Est-ce que la nouvelle collection, elle biche pas un mort à mort? Petit logo, comme à la fin de mes vidéos, faites-vous plaisir, mettez du gaz, mais faites toujours attention à vous. Allez, j'aurais peut-être pu rajouter un petit ciao. Et devant le petit logo qui fait vraiment classe, oh, je kiffe cette cause. Honnêtement, en termes de design et tout, c'est vraiment ma marque de vêtements préférée. On a juste au-dessus de moi la tombola Geiger. Y a lui. Prado. Fèvre, et le meilleur de tous, le pouce à Roczen. On fait tout ça à gagner, en fin de compte on organise une tombola tout simplement. Peu importe ce que le client il va venir acheter comme vêtement, qu'il achète une casquette, un bonnet, un t-shirt, un sweat, un article égale une chance de gagner. Demain soir, dimanche, on fait le tirage. Il y a une tonnelle de motoconcept, des packs d'entretien de chez Motul, les 4 maillots Prado, Geiger, Roczen, Fèvre à gagner. Et la cerise sur le gâteau, une semaine de stage motocross en Espagne. Ah ouais, on fait pas de la rigolade. On termine avec... Bon, il est parti le collègue, mais on a fait un petit stand avec les deux stars. J'ai mon pote Noni qui est aussi venu avec la star. Il y a la mienne, de toute façon celle que vous avez vue la semaine dernière. Avec tous les sponsors, avec vraiment tout ce qu'il faut bien. Et voilà, c'est l'espace exposant. Ah les gars, on va vous montrer El Phénoméno, on l'appelle dans le domaine. On va faire une petite interview, ça va ou pas? Bah oui, hein, ça va. Comment tu trouves la piste? Bah la piste, écoute, elle est vraiment top. Il y a un peu plus ce matin, mais franchement, c'était vraiment sympa. Elle était beaucoup mouillée, première session. Mais après, franchement, plaisir, régal, ça creuse un peu et tout. Franchement, la grande classe, la grande classe.
Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Ah oui, ok. Mais normalement j'ai un sac à dos, mais tombé. On va les mettre des grisements, ouais. Ah ouais. Changé, tout neuf. Ah, ça fait deux mois on prépare un événement, je vais quand même aller tester la piste, non? Je vais aller tester cette belle piste de moterne. Par contre, il y en a un, il a cassé son pare-pierre, toi, je lui ai prêté. Bah, du coup, je dois aller chercher mon pare-pierre. Ouais, tu peux passer dedans? Je peux pas. Vas-y, dis à la caméra. Allez. Juste salut. Là, la remontée, là où tu vas le faire, tu vas le faire. You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Super Mario, the way I smash, nigga. I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga. 50,000 in the fucking stash, nigga. Got about 100 in the fucking dash, nigga. If you a op, then we on your ass, nigga. Bullets chop a nigga down like I'm mowing grass, nigga. What the fuck? If a nigga want a problem, tie him on my billies up. Young blood gang, nigga. What the fuck? Ain't fuck a crip. See a sand walker, shoot him in his lip. Oh shit, got his baby mama sucking dick for a tip. Yeah, I'm 5'9", bitches prime time for Leo Prim. Prim Leo, my April shoot you 9 times. 69, it was good. 93 was even better. Red bed down on my bitch and make that pussy even wetter. Prim Leo, all my apes, they go. Ah Mehdi, tu sais mettre l'ambiance toi, hein. Gon' say for Leo, Brimley, Brimley, yo. All my apes, they gon' say for Leo, Brimley, Brimley, yo. All my apes, they gon' say for Leo, Brim is 5'9", prime time, who the fuck is them? You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Super Mario, the way I smash, nigga. I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga. 50,000 in the fucking stash, nigga. Got about 100 in the fucking dash, nigga. If you a op, then we on your ass, nigga. Bullets chop a nigga down like I'm on. Bon, les gars, fin de. Attends, je vais mettre le point avant, parce qu'avant. Oh, avant, j'avais la vitesse, j'ai fait comme ça, mais ouais. Fin de la première journée du MR Camp, on a profité pour rouler dans la dernière séance, là, des confirmés, c'était top. Alors, le terrain, il est incroyable, des ornières, des trous, pâte à modeler. Alors, franchement, j'ai kiffé. Hein. Ah, c'est quand même mieux. Bon, maintenant le programme de ce soir, et ben, on continue les animations, on continue le taureau, on continue la tombola géante. On a fait une soirée pizza flamme. Il y a le boss, le DJ qui devrait arriver. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Non, mais en tout cas, il va arriver. C'est lui qui va s'occuper de la soirée. Voilà. Une bonne soirée, tous ensemble, tous réunis au même endroit. La passion, le fun. Et rendez-vous à demain, les gars. Il semble que tu pourrais même faire forain, toi. Mais moi, je suis forain d'enfance. Sacré groupe ici. Sacré groupe. Ici ça fait des rupteurs là-bas, ça écoute déjà des sons de boîte. J'ai entendu un petit mets-toi en position bas et j'ai pas compris. Il a vu son père comme les autres. C'est un livreur.
tchouin. La gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin. La gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin. Merci d'être venu, merci pour la confiance pour la troisième année. On vous a préparé un terrain au top, même pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Le terrain hier, c'était un régal, honnêtement. On a tout refait hier soir pour aujourd'hui. On a arrosé ce matin depuis 6 heures. Les premiers tours de roue, faites attention. Faites doucement, il y a 6 séances dans toute la journée. Donc si vous roulez les 6 séances, ça va être dur physiquement aujourd'hui. Ils ont prévu le beau temps et tout. Donc allez-y tranquille le matin, le temps de bien se chauffer. Là les gars, c'est le matin, ça herse, ça arrose. Gaëtan, il doit être là-bas. Ça refait l'entièreté de la piste pour les pilotes du dimanche. Bon, en tout cas là, niveau texture, c'est boulette comme on dit. Et quel tu passes de la vidéo à Gaëtan? Bon, on est chaud les gars, il est encore au milieu. 125 seigneurs, mon copain. 125, ma. Tu vas le tordre, 125, je vais le mettre de travers, mon. De travers. Ouais. Ça, je veux voir, hein. Ça mange là, carrément. Là, c'est la première minute de pause depuis ce matin, 7h. Deux guests directement. Ah, direct, là, il faut les vitamines. Hein. On a pas pris de petit déj, là, c'est à base de merguez, après un peu de coca pour un peu de sucre. Un petit Red Bull parce qu'ils nous en ont laissé hier pour le staff. Donc, après, ça part. Hein. Dernière après-midi, et fin du matin, déjà. On passera déjà à l'année prochaine, ciao. So take a couple steps back as you hear me start to hum. Take a couple steps back when I lose all control. Watch me turn into a werewolf, and I will haunt to the break of dawn. Don't let me try to stop me, 'cause it's the heart of the dark side. Avant de tirer au sort, je voulais quand même remercier tous les pilotes, tous les accompagnateurs, tout le monde pour m'avoir fait confiance cette année. On a changé de terrain, on est allé au fin fond de l'Alsace. J'espère en tout cas que vous avez tous fait de la route pour venir. J'espère que le déplacement valait le coup. J'espère que vous avez kiffé. Du coup, le premier lot, c'est offert par le magasin d'Afrimoto et Motul France pour le ticket numéro. Le numéro 590. Et en plus, il n'y a pas de signature sur le maillot, on a le cadre en plus de chez Fox signé. C'est pour le numéro.
tu vas pas regarder le numéro quand même. Allez, vas-y, tire. Allez. Encore à 500. 570. 570. Bravo, Pélage Bédé, il est là. On va terminer par le plus gros lot de cette tombée-là. Quentin, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Ça, c'est la classe, hein. Le dernier lot de la tombola, il vous offre une semaine de stage de motocross en Espagne. Merci à lui. C'est pour le numéro 571. Le 571. On peut l'applaudir s'il vous plaît un peu plus fort. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Putain, les moustiques. Clap de fin, MR Camp 2024, c'est terminé. Il est 19h à peu près, on a fini de tout ranger. Tout le monde est parti, tout le monde a repris son sac poubelle, merci. On a passé un week-end de dingue. Honnêtement, merci à tous ceux qui étaient présents. Merci aux partenaires qui étaient là. Merci à Wolf Moto pour les motos à laisser. Merci à Gajraj Gérard pour exposer les vannes aménagées. Merci à Red Bull qui est venu. Merci au motoclub de Moterne, forcément. J'avais un cahier des charges quand même, je pense, assez exigeant dans la région. Et en tout cas, ici, le site s'y prêtait à merveille pour organiser ça. Le club a mis vraiment tout ce qu'il pouvait pour nous offrir un terrain au top. Ils ont hercé, ils ont arrosé, ils ont refait le samedi soir. Entre midi, on remettait un coup. Bref, c'était vraiment, vraiment un très beau terrain grâce à eux. Série 1, stage 42 000. Les putains de moustiques. Ah, les moustiques, c'est horrible. En tout cas, voilà, merci aussi à tous, merci forcément à tous les pilotes qui étaient là, merci à vous. On a fait la tombola, on a fait gagner un maillot de Roxanne, un maillot de Geiger, un maillot de Prado, un maillot de Fèvre. T'imagines quand même tous les maillots. Le cadre, le cadre. On dit ça, ça paraît normal. Le cadre de Roxanne. On a fait gagner grâce à mon entraîneur de moto QB MX Cool, qui est un coach de motocross dans la région du Grand Est. On a fait gagner une semaine de stage en Espagne à un mec. On a fait gagner grâce à Motoconcept une tonnelle, bire 3 mètres par 4,5. On a fait gagner des produits d'entretien motule, on a fait des petites médailles pour les kids, on a fait des flots pour tous les kids, on a fait des coupes en forme de piston pour l'animation du rodéo. Bref, c'était un week-end de dingue. Merci à tous, merci forcément à ma famille, à l'équipe de bénévoles qui a assuré tout le long. Merci à tout le monde, merci à Noupi derrière la caméra. Merci à vous de me suivre. C'était MR Motocross. Rendez-vous peut-être pas en 2025. Pour l'instant, on va bien se reposer. On se posera la question dans quelques semaines. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Faites-vous plaisir. Mettez du gaz. Mais faites toujours attention à vous. Ciao!